Donc aujourd'hui, on remonte le bloc. J'avais mon pote donc Buck qui était là pendant l'été, donc il est venu m'aider. Donc petit à petit, on va remonter les culasses et tout le système d'admission, toute la pipe d'admission carbu. Donc on avait retiré les écrous que j'avais laissés sur les goujons. On a mis les deux nouveaux joints de culasse. On commence par la culasse donc côté passager. Donc après avoir refait les culasses avec les nouveaux ressorts de soupape, j'avais modifié deux trois petites extensions qui étaient sur les culasses qui me gênaient pour passer les collecteurs. Donc la pose est déjà beaucoup plus simple que le démontage. Le démontage, on avait passé quasiment une heure à tout enlever. Là, la pose en 3 minutes, c'était fait. Donc tranquillement, on met les écrous en place donc sur les goujons des culasses. Ensuite, ça va être serré donc dans une certaine séquence afin de ne pas déformer les culasses. Au milieu, on voit ce qui s'appelle un windage tray. Donc c'est un anti-éclaboussure pour éviter que l'huile vienne sous la pipe d'admission. Là je vérifie les couples de serrage, donc il faut tout serrer aux couples. Donc on serre par séquence, donc dans un certain ordre, donc généralement on fait les extérieurs puis le milieu et selon un process en croix, histoire de ne pas déformer la culasse en serrant un maximum d'un côté et pas du tout de l'autre. Donc on serre tous ça avec un certain couple, ensuite on augmente le couple pour un deuxième tour de serrage, puis une troisième fois au couple final afin de ne pas déformer, histoire de ne pas vriller le bloc. Donc là on voit à gauche les joints qui vont aller sur l'admission, sur le côté admission des culasses. Là j'avais enlevé donc les joints en liège qui étaient devant et derrière. Donc là, je finis par une deuxième tournée de serrage côté passager. Buck avait fait le côté conducteur. Donc on remet toute la pipe d'admission en place hein, avec le tuyau d'arrivée d'eau depuis la pompe à eau devant. Deux, trois, on pose un peu, on commence à préposer les vis et on serre pareil dans un certain ordre. Donc pour la pipe d'admission, le plus simple, c'est commencer depuis l'intérieur et aller vers les extérieurs. En serrant petit à petit, pareil, on ne peut pas serrer non plus 4 vis complètement à fond et puis pas du tout toucher les autres. Sinon ça a tendance à déformer la pièce, vu que la pipe d'admission est en alu, ça peut quand même facilement se déformer. Là, celles-là, elles étaient un peu récalcitrantes. La pipe d'admission étant ce qu'on appelle une dual plane, c'est-à-dire que certains tuyaux d'admission passent un peu plus en dessous que d'autres. On peut voir là où c'est marqué Delbrock, notamment un des tuyaux passe sous l'autre. Ce qui fait qu'il y a un côté où certaines vis sont un petit peu plus difficiles d'accès. Donc ça prend un petit peu plus de temps, on peut pas forcément y aller avec le cliquet, il faut y aller avec une clé plate et puis faire un quart de tour par quart de tour. Buck qui tient, si je me rappelle bien, ça doit être une clé de 10, la célèbre clé de 10 qu'on perd toujours. Un petit peu de serrage, pareil derrière, au niveau du distributeur, et si je me souviens bien, c'était aussi la sonde de pression d'huile ou de. Donc là après côté passager, j'avais déjà remis en place donc les culbuteurs, ce qui s'appelle les roller rockers en anglais. Donc pareil, Buck de son côté s'occupe du côté conducteur. Ils ont déjà été, je les avais pré-réglés bien entendu vu que j'ai fait le rodage du moteur à ce stade-là. Pareil, serrage dans un certain ordre afin que ça appuie sur toutes les tiges de culbu. De façon équivalente. Sinon, on peut avoir une tige de culbu qui passe un petit peu à côté d'une tête dans les culbuteurs, donc dans des bols qui sont creusés dans les culbuteurs. Donc, on veut surtout pas ça. Un petit coup de nettoyage. Maintenant, normalement, on doit remettre les couvre-culasses. Et là, je marque juste tranquillement les. Chaque tête de culbu, je vérifiais un ou deux serrages, il y en avait un ou deux qui s'étaient un peu desserrés, c'est normal, la première fois ça prend un peu sa place, et là on marque chaque écrou afin que quand je redémonte plus tard les couvre-culasses, je peux vérifier tous mes serrages. Pareil sur les vis de la pipe d'admission, on les a toutes marquées afin de savoir, vu que c'est un moteur qui vibre quand même pas mal, ça permet d'être sûr que ça ne bouge pas, ça ne se dessert pas. Côté conducteur, donc obligé de passer un petit peu sous la voiture pour aligner l'échappement. Pareil, l'échappement un petit peu casse-pied à mettre en place du fait de la tubulure, vu que c'est un 4 en 1 et pas un échappement d'origine qui était,
qui était en forme de Y, qui descendait tout droit et qui n'avait pas des tubulures de longueur équivalente. Celui-là prend un petit peu plus de place et parfois un peu casse-pied avec certaines vis, l'accès n'est pas forcément facile. Donc heureusement, il y a deux vis qui se mettent en premier qui permettent de positionner à peu près le collecteur et de tenir aussi en place le joint de collecteur. Et ensuite, on peut mettre les vis suivantes et donc venir tout serrer progressivement. Donc là, on fait le côté conducteur, on va ensuite passer au côté passager et on voit déjà aussi au milieu le joint de couvre-culasse, donc qui ira en place quand on va poser le couvre-culasse en place. Vous pouvez voir aussi au fond, donc dans la baie de pare-brise, j'ai rangé sur chaque côté les fils de bougie. Qui sont tenus donc dans un certain ordre aussi, donc avec des zip ties afin de les tenir un peu séparés. C'est pas forcément bon d'avoir des fils de bougies qui sont en contact les uns des autres, on sait jamais, ça peut toujours se créer un arc électrique entre deux fils de bougies, donc la technique zip tie est pas trop mal. C'est une petite technique que j'ai appris en regardant Roadkill, donc ça marche très bien, ça coûte moins cher qu'un kit de pièces usinées CNC qui coûte 50 balles pour tenir 4 fils de bougies séparés, donc ça coûte 3$ et puis c'est très bien. Là on voit donc Puck qui fait le con avec la caméra, bien entendu, toujours. On a quelques images subliminales si je me rappelle bien dans la vidéo. Donc voilà, serrage du côté collecteur, côté passager, un petit peu plus facile à serrer que le côté conducteur. Comme on voit, le côté conducteur, certaines tubulures passent par au-dessus des autres, alors que le côté passager, c'est un peu les quatre qui descendent directement, donc c'est un petit peu plus simple. C'est normal aussi, vu que le côté passager a juste le filtre à huile à passer en fait sous le bloc, qui est relativement facile à éviter. Le côté conducteur a le starter, la tringlerie de direction, enfin la colonne de direction et le bloc freinage, donc ça fait pas mal de choses autour desquelles il faut serpenter un peu le collecteur. Donc là, les deux couvre-culasses sont à nouveau en place, le petit filtre de crankcase breather, ça s'appelle en anglais, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais enfin bon. Donc là, on a remis le carbu en place et on resserre en position. Donc, on avait marqué avant le démontage la position des supports des ressorts de rappel de commande d'accélérateur. Donc c'est un accélérateur à câble qu'on voit donc, sur le côté droit de l'image. Et là, côté gauche, donc, je remonte tranquillement donc, avec du scotch PTFE afin de faire l'étanchéité, le circuit d'essence, donc le circuit d'arrivée d'essence. Maintenant la bobine d'allumage donc à l'arrière sur son support. Et ensuite on va pouvoir remonter les fils de bougie une fois la bobine d'allumage en place et tout en place. Voilà, les fils de bougie étaient numérotés. Ça n'a pas empêché Buck de mettre les cylindres 3 et 5 donc de son côté. Non, 5 et 7 de son côté à l'envers. Quand on a démarré la voiture, elle a démarré à l'envers. Donc voilà, fin de la vidéo.